Merci à tous d'être là aujourd'hui. La famille, les amis, les jeunes, les moins jeunes, les Alsaciens, les Bourguignons, ainsi que les Franc-Comtois et même les gens du Sud-Est et du Sud-Ouest. C'est une émission exceptionnelle aujourd'hui, alors sans tarder, on commence. J'appelle le candidat du jour, c'est parti pour les 12 coups de... Marie ! Bonjour mon cher Quentin, nous accueillons notre premier candidat, il s'appelle Mathias, il a bientôt 17 ans, c'est le numéro 4 de la descendance des Jolis. Ce n'est pas sur les bancs de l'école qu'il se distingue particulièrement, mais sur les terrains de basket. Ce qui caractérise notre candidat, c'est jogging à trous, ses lancers francs, son flegme inébranlable, ses cheveux fous, son sourire ravageur et son sens de la famille. Ce qu'il a hérité de sa mamie, la boss des maths, et c'est bien le seul d'ailleurs. Notre deuxième candidat s'appelle Gauthier. Il a 16 ans, c'est le petit... Enfin, c'est pas très flagrant, petit dernier de la famille. Bien à l'aise dans ses tongs et dans ses shorts, Gauthier profite de la vie plus que de l'enseignement de ses professeurs. Son credo, cool Raoul, en vacances, il est comme un poisson dans l'eau. Gauthier, c'est la joie de vivre, la pipelette de service, un bon vivant, un fort tempérament, une tête de lard et le meilleur des copains. Il a hérité de son papy, son côté bon vivant, la relève est assurée. Notre troisième candidat, c'est Lucas, numéro 2 du clan familial. Lucas partit à Nancy pour étudier et se destine à travailler dans le bâtiment. Ne vous effrayez pas en voyant son gabarit, Lucas est certes l'homme fort de la bande et le plus impressionnant, mais c'est surtout un bon gros nounours affectueux. En bref, Lucas est un faux dur, le centre du monde, une forte personnalité mais surtout la générosité incarnée, un grand cœur et un ami plus que fidèle. Ce qu'il a hérité de sa mamie, quelques kilos supplémentaires suite à de bons petits plats qu'elle lui a souvent préparés. Mon cher Quentin, enfin nous accueillons notre maître de mamie indétrônable, Thibaut. Thibaut, numéro 3 de la descendance des Jolis, il fait actuellement son BTS en alternance et exerce un métier de commercial. À 19 ans, il a déjà participé 120 fois à notre émission sans être déboulonné. Tous les dimanches pendant 3 ans, il a en effet squatté chez sa grand-mère pour aller au lycée le lendemain. En maître de mamie, il a réussi à obtenir d'elle à chaque repas le plat de pâtes et la glace McNoll qu'il voulait. Ce qui le caractérise, Thibaut, derrière son costume bien coupé et son look de commercial élégant et social, il cache un côté fantasque et rebelle, mais aussi et surtout ses émotions. Thibaut, c'est la sensibilité incarnée et un amour profond de sa famille, ce qu'il a hérité de sa mamie, des valeurs familiales au-dessus de tout. Je vous laisse la parole, Quentin, à vous pour les 12 coups de mamie. Waouh, Thibaut, le costard est juste en bec de hareng, la classe! C'est pas vous qui portiez des pantalons moulants en peau de serpent ainsi que des t-shirts à paillettes il y a encore un ou deux ans? Les temps changent. Tout espoir est donc permis aux parents qui désespèrent du look de leur adolescent. Vous êtes formidables! Maintenant, place au jeu, première séquence. Mathias, faisons connaissance. Vous êtes un vrai sportif. Vous occupez quel poste au basket? Bah, je suis meneur dans l'équipe de bar depuis environ 10 ans maintenant. Donc je commence à 5 ans et je tiens toujours ce poste. Et vous faites de la compétition? Ah oui, d'ailleurs, je suis même allé à Oklahoma City et j'ai vu Kevin Durant, le meilleur joueur, on va dire, de l'équipe. Et il m'a offert cette balle avec sa signature. Il y a pire. Mais revenons-en à nos moutons. Cette émission s'adresse surtout à votre mamie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre mamie? Ma mamie, elle est super cool. En plus, à chaque fois qu'on va chez elle et que j'ai besoin de faire des maths, bah, elle m'aide. Vous avez de la chance, on l'applaudit. On y va pour le jeu? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous jouerez pour faire gagner votre mamie. Si vous faites tous un sans faute, à toutes les questions des deux séquences, votre mamie gagnera un superbe cadeau. Je vous rappelle les règles de la première séquence. Le coup d'envoi! Une question, une seule réponse. Si c'est pas l'une, c'est le... Mathias, concentrez-vous. Quel est le plat que votre mamie cuisine le mieux? Les pommes noisettes ou l'autre? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas les pommes noisettes. Donc je vais prendre l'autre réponse, qui est sûrement la boquette de veau d'ailleurs, qui cuisine super bien. Et c'est gagné! Ouais! Ouais, juste une question. Les pommes noisettes, elle ne sait pas les faire, votre grand-mère? Bah, le dernier plat qu'elle a cuisiné, elle était un peu cramée, donc elle les a achetées à la poubelle. Mais mon père a eu la bonne idée de lui prouver que c'était faux et que c'était mangeable, donc les a ressorties. Donc c'est pas un très bon souvenir. À vous Gauthier, maintenant. Elle est belle votre chemise à fleurs.
Mais est-ce qu'elle est belle, la vie? Vous savez, la classe, soit on l'a, soit on l'a pas. Et vous, vous en pensez quoi de votre mamie? Ah, ça! Elle en a eu du courage pour nous garder quand on était petits, hein. On était des sacrés petits cons. Mais pourquoi? Bah, un soir, Thibaut, par exemple, il s'est barré par la fenêtre. Et vous, vous étiez parfait. Bah, ça, on peut pas vraiment le dire, mais bon. Je vais tâcher de préserver ma réputation sur ce plateau, si ça vous dérange pas. Ok, alors, on revient au jeu. Votre grand-mère a 70 ans. Elle vit à l'ère du Minitel ou de l'autre? Ah, mais oui, elle est branchée, ma mamie. Elle a même un compte Facebook. D'ailleurs, je l'ai en ami. Et c'est gagné, c'était l'autre, les réseaux sociaux. À vous, Lucas, maintenant. Alors, Lucas, cette tenue, vous voulez faire quoi comme métier demain? Oh, déjà, pour commencer, demain, je vais dormir. Parce que je suis un petit peu fatigué, là. Mais sinon, si vous voulez parler plus tard, je me verrai bien chef de chantier. Chef de chantier dans le bâtiment, dans le travaux publics, je sais pas, ce qui me bronche. En tout cas, si on en croit votre tenue, vous êtes bien parti. Et vu votre charpente, on n'a aucun doute sur la solidité de ce que vous allez construire. Mais les deux accessoires, là, que vous avez sur votre tête, c'est vraiment utile? Ça, là? Oui, c'est très très utile. Vous savez, sur les chantiers, en général, en hiver, il fait très très froid. Ça, ça réchauffe. En été, l'inverse. Quand t'as très très chaud sur un chantier, une petite bière, rien de mieux pour se refroidir. Parfait. Et vous, votre mamie? Alors? Moi, ma mamie, parfaite. Il y a aucun mot assez puissant pour la décrire. Elle veut toujours que tout soit parfait. C'est génial. Elle veut toujours être au petit soin pour nous. Aucun défaut. Enfin, je veux dire, des fois, on a même l'impression qu'elle s'en veut de pas assez nous faire plaisir. Alors que, franchement, faut pas. Elle est magnifique. Parfaite. C'est vraiment une mamie en or. Une mamie que tout le monde voudrait avoir. Vous savez, c'est un rêve. Voilà. Un rêve. Ma mamie. Lucas, à vous de jouer. L'année dernière, à Noël, sur quelle musique votre grand-mère a-t-elle dansé? L'Aventura de Stone et Chardon ou l'autre? L'Aventura. Ça me dit rien, ça. Ça me dit rien. Mais qu'est-ce que ça peut être l'autre? L'Aventura. Bah, déjà, l'Aventura, pour moi, c'est pas possible parce que je connais pas et je pense que j'en aurais entendu parler au sein de la famille. Par contre, il me semble qu'il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans, au Noël en famille, elle avait dansé avec nous, mais attendez, la musique. Bon, je pense, donc je vais dire l'autre, et je vais même vous donner la réponse avant que vous soyez décaché. C'est même le Gam Gam Style, voilà. Le Gam Gam Style de Psy. Et on écoute le Gam Gam Style! Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워. 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 아름다워, 사랑스러워. 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 지금부터 될 때까지 가볼까. Go. 오빤 강남 스타일. Gangnam Style, op, 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 oppan Gangnam Style. Gangnam Style, op, 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 oppan Gangnam Style. Maintenant, avec le plus grand respect, je m'adresse au maître de mamie, Thibaut. Alors, jeune homme, vous êtes commercial, mais que vendez-vous? Des imprimantes Xerox. Pourquoi? Vous en voulez une? Parce qu'avec la nouvelle technologie Color Cube, on peut faire des miracles avec une simple feuille de papier. Avec des tours par 35 pages par minute, on a une cadence et une impression de papier incroyable. Bien, bien, Thibaut, une autre fois. Mais votre grand-mère, elle compte pour vous? Bien sûr, c'est le pilier de notre famille, c'est toute notre histoire. Voici la question pour vous. À Noël, mamie fait des escargots. Quel ingrédient y a-t-il en quantité toujours trop importante ou insuffisante? Le persil ou l'autre? Le
persil. L'autre, évidemment. Gagné, c'était le sel. Racontez-moi ça. Bah, elle se plaint toujours que c'est pas assez salé ou justement trop salé. Mais franchement, le plus important, c'est qu'elle fait quand même 26 douzaines. Elle peut faire ce qu'elle veut comme escargot. Il n'y en aura jamais assez pour nous, toute la famille. Bravo, bravo, bravo à tous pour cette première série de questions auxquelles vous avez tous bien répondu. Le cadeau se rapproche pour votre grand-mère. Mais avant, il faut aussi que vous réussissiez la deuxième épreuve. Je vais vous poser deux questions. 9 réponses vous seront proposées à chaque fois. 8 sont justes, une est fausse. Lorsque vous aurez répondu deux fois, la question fausse devra rester si vous voulez gagner. On y va ? Quels sont les pays que vos grand-mères a déjà visités ? A-t-elle fumé le cigare à Cuba ? Vu des caribous au Canada ? S'est-elle déjà baignée dans le Gange en Inde ? A-t-il déjà fait un maxi barbecue en Argentine ? Gravi la muraille de Chine ? Dormi au bled au Maroc ? Bu de la vodka en Russie ? Nazdrovia ! Ou chassé le rhinocéros au Kenya ? Le Gange en Inde. Ouais, ça me dit quelque chose. Bon, bah, je vais dire l'Inde. Il me semble qu'elle est allée en Russie, oui, j'en suis presque sûr, même certain. Je me rappelle d'un repas à table. Oui, la Russie. Maintenant, ça me revient. Donc, je vais dire la Russie, sans aucune hésitation, la Russie. Et puis, d'ailleurs, mamie. Nastrovia. Ah, tiens. Oui, Kenya, elle est allée. Je pense que je vais répondre la Chine. Car elle avait déjà parlé de ses exploits sur la muraille de Chine. Ouais, je pense qu'elle a bien dû y aller, au Maroc. Bon, le choix est très très serré, là. Bah, écoutez, moi je penserais plutôt le Canada. Là, vu comme c'est parti, je pense que c'est le Canada, oui. Je sais qu'elle a fait un voyage il y a pas longtemps. Elle était partie outre-Atlantique. Mais il me semble que c'est au Canada, oui. Oui, Canada, j'en suis sûr maintenant. Oui, les photos et tout, oui, c'est Canada. Cuba, Argentine. Cuba, le cigare, le... Argentine, les filles, les Argentines, c'est bien. Cuba. Il n'y a pas une autre question, là? Je ne saurais pas quoi vous dire. Cuba. Bravo! Elle a sacrément voyagé, votre mamie. C'est une véritable globe-trotteur. Si vous gagnez pour le cadeau, il va falloir être inventif. Ah, mais elle en a fait d'autres en plus des voyages. Il y a 2 ans, elle est partie avec nous en Grèce. Ouais, c'était un voyage formidable. Bah, nous aussi, on est partis aux États-Unis en 2009. Ah, je m'en souviens, c'était vraiment des super vacances. En plus, on est allé à New York l'année dernière. Un super souvenir. Je répète, il va falloir être inventif. Mais avant, encore faut-il que vous répondiez bien à la deuxième et dernière question. Du coup... Fatal ! J'ai pas entendu ! Fatal ! D'accord, donc je vous fais 9 propositions, une seule n'a rien à voir avec votre mamie. Première, dans un triangle rectangle ABC, rectangle en B. AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Deuxième, Belfort et Bourgogne. Troisième, la Couarde et Marseillan. Quatrième, le septième art. 5, le bingo. 6, les mots fléchés. 7, le kobo. 8, le crin-crin. 9, Réglisse et Francis. À vous de choisir. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est le cinéma. Parce que moi, avec mon cousin, on y va 2 fois. 2 semaines par an. Et environ tous les 2 jours, vu qu'on est chez elle, on va au cinéma. Et d'ailleurs, elle y va tous les jours même. Elle a une... carte d'abonnement, pâté et gomme. Non mais allô quoi, Belfort et la Bourgogne, c'est les 2 régions où elle a vécu. Bon bah là, je pense Réglisse et Francis. Ça fait référence à ces 2 chats. Enfin, ces 2 chats. Je vous dis ces 2 chats parce que maintenant il y en a 2, il y en a un. Francis. Réglisse déjà c'est l'original, c'est le sien. Ça fait je pense 4-5 ans qu'elle l'a. Un tout petit chat mignon et tout. Et puis Francis, bah, ça fait pas longtemps, moi je l'ai jamais vu. Mais quand mon cousin et mon frère vont chez ma mamie, et puis mon cousin a rebaptisé un chat qui venait rôder tout le temps, Francis. Donc voilà, donc maintenant c'est ces 2 chats, Réglisse et Francis. Ouais. L'île de Ré, Marseillan. Marseillan. Ah, c'est toute mon enfance.
Je dirais les mots fléchés, parce qu'elle est souvent dessus. Ah, la formule Pythagore. J'adore. C'est des maths, ça, c'est forcément ma vie. Alors écoutez, là, à ce stade, le choix n'est plus très grand. J'en ai aucune idée. Kobo, je sais même pas ce que ça peut signifier. Kobo, c'est un acronyme, un logo, un nom, Kobo. Écoutez, moi, les deux autres me disent rien du tout. Donc je vais penser pour Kobo. Et bah, je vais vous dire Kobo, mais... Enfin, je pense que c'est Kobo, oui. Kobo... Ah, mais si, mais... Je suis con. Kobo, c'est sa liseuse. Mais oui, mamie, elle est branchée, vous savez. Mamie, toujours au top de la technologie. Et puis, vu qu'elle en avait marre des versions papier, vu qu'elle lit beaucoup, elle en avait marre, bah, elle s'est acheté une liseuse qui... Bah, voilà, c'est plus pratique. Et donc, voilà, oui, c'est le nom de sa liseuse, j'en suis sûr, maintenant. Ouais. Le crin-crin ou le bingo. Vous me posez une bonne, hein. Crin-crin, bingo. J'aime pas ce que c'est un crin-crin. Pour vous dire... Ben, je sais pas, au hasard, le crin-crin. Incroyable! C'était bien le crin-crin! Ils ont relevé le défi! Ils deviennent tous des maîtres de mamie et je leur décerne, avec respect, l'étoile du maître de mamie. Et maintenant, le clou de notre jeu, l'étoile mystérieuse. Derrière cet écran se cache une personnalité. Si vous la découvrez, vous gagnez pour votre grand-mère le trophée. Concertez-vous et dites-moi qui se cache derrière l'étoile mystérieuse. Je pense que nous avons trouvé, donc... C'est mamie. Voilà, mamie. Ils ont gagné! Grâce à leur perspicacité, nous sommes heureux de pouvoir offrir ce superbe cadeau à Chantal Jolie! Ouais.